Il y a trois quarts, je sais pas, il n'y a pas parlé de quatre d'ailleurs. Dans le pays où je suis né, nous sommes dans Guillaumeville. De nos croyances et de nos horizons, avec le même histoire, la même passion. En harmonie d'intelligence. Le tout ça à ma droite, c'est nouveau. Alors ne cesse de grandir. Alors là, vous avez le cimetière de chrétien. Je me rappelle parce que je suis né en 45. Ah oui? Ah bah ouais. T'es un petit jeune alors. Il y a un voisin qui nous prêtait sur le micro des fois pour la plage. Ouais. C'était la brise. Tout le monde? C'est mis tapis aussi. On va venir à moi. Ça c'est bien, c'est toujours cette mer bleue. Toujours cette mer bleue. Ah oui, c'est... Moi j'ai été pour faire le pèlerinage. À la mer, quoi. J'y ai été 20 fois. Le casino de la Corniche. Le casino de la Corniche. Là, à ma gauche, hein. Voilà. Je t'expliquerai après. Il a pas changé, alors. C'est joli, là. On arrive sur la ville.
Tout ça, c'est la corniche. Hein. Oui, oui. Je la reprends, c'est là, à ma gauche. Voilà, là, voilà. La maison hantée. Ben oui. Alors celui qui veut l'apprendre, il apprend. Hein. Ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc, comment ce qui se passe là-bas dedans. Tout ça, c'est la corniche. Nous sommes à Sainte-Eugène. Et ça se rattache. Vous voyez, tout ça, ça se rattache. À Sainte-Eugène. Vous pouvez même descendre de l'autre côté. Vous voyez, les escaliers qui descendent de l'autre côté aussi. Le stade Marcel Servan. Alors l'hôpital Maillot, c'est en face. Avenue de la Bouzaria. Montée à Notre-Dame d'Afrique. Alors là, vous avez trois cimetières hein, qui sont rattachés l'un à l'autre. Le cimetière chrétien, le cimetière musulman et le cimetière. Ça c'est babéloïde à ma gauche, hein, tout ça c'est. Il est là. Le stade. Elle a changé. Non, ils sont pas là. Ouais, là, tu la reconnais quand même.
Ça fait joli, je trouve qu'ils sont là au milieu de l'eau. Il y a des belles maisons. On est passé devant. Hein. Oui, ben oui, on est au bord de mer. Qu'est-ce qu'il fait ? Petite collation pique-nique dans le presbytère de Notre-Dame d'Afrique. Offert par le opérateur. Cet endroit merveilleux. Charmant. Quittons notre âme d'Afrique pour aller dans le centre de Chine. Descendons vers Babylone. Vous avez en bas là, on voit une petite idée, Babylone un peu. Au fond, alors c'est un nouveau aménagement puisque en 2001 il y a eu une pluie terrible qui est tombée sur Alger. Et tout ce qui était sur le hauteur, sur le coup de nous arrière, le frais vraiment a dévasté carrément le. Et t'as tout emporté avec soi, hein, plus, j'ai
crois que c'est avec tout. Et il y a eu à ce moment-là également un genre de tsunami qui est venu vers l'air, qui est rentré. Tout est retard, toujours en blanc et en bleu. Toujours, oui. Très très beau, très très beau. C'est l'état qui repeint toutes les façades de nos façades qui ont brillé sur lui, sont toutes reposées comme ça. Voilà. C'est un hôtel, l'hôtel Ketani qui est tout là-bas. Oui. C'est pour les amoureux également. Ah oui, ça c'est l'ancienne caserne policière qui est en droit. C'est ici. Elle a été restaurée par les Italiens entre 1946 et 1994. Il n'y a pas d'objet à l'intérieur. C'est joli, hein. Alors, l'ancienne avenue du Minova, ici. La plus ancienne également, elle est datée de 1091, exactement. 1091, c'est la plus ancienne d'Alger, la grande mosquée d'Alger. Voilà. Et ça, c'est la, celle que nous voyons, celle-ci qui est en face. Voilà. Place de la Régence. Surpeuplée, voilà. Tous ces gens. Eh oui. L'ascenseur qui est là. L'ascenseur, oui. Et au bout là-bas, après l'ascenseur, il y a, on voit peut-être une cheminée de bateau qui est là-bas. Ça, ce sont les filles qui vont faire voir ici. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. La rue Babazo, la rue Charles là-bas. La rue Charles, voilà la terre. Hein. Voilà. Il y a des gens comme ça. Je prendrai le bisou, tu prendras un peu de mal. De la terrasse de l'hôtel Ovasli, nous voyons toute la belle Alger. Magnifique belle Alger. C'est la rue Montagne.
Nous voyons en haut la rue Montaigne. C'est bon, c'est pas grave. Oui, non, c'est le film de Saladia. En train de prendre des photos qui chez lui, qui chez à côté de chez lui, qui dans son quartier, qui retrouve plein d'émotions, son coin où il a vécu auparavant, 50 ans presque. Tu viens, j'espère, une main devant, une main derrière. Maintenant tu te souviens de ta mère. Fais la rentrée dans ma maison, et toi tu raccroches mon garçon, et moi je me jette par le balcon. Je suis bien noir et t'es mon frère, je jure sur la tête de ma mère. Je suis bien noir dans mes manières et de mon accent, je suis bien ma mère. Je suis bien noir, faut pas t'en faire, je jure sur la tête de ma mère. Je te promets que tu fais une affaire.
Ouais. L'ancienne rue Polignac, magasin. L'ancienne rue Mirabeau avec son école Mirabeau. Quand j'ai quitté mon pays, école Mirabeau. J'ai des ans. Où était mon immeuble ce à l'époque? Je n'ai pas compris. Voilà. En remontant sur le ravin de la femme sauvage. On n'aime pas voir pleurer les murs. Ce jour-là, je n'ai pas compris. Quand on allait chez Colette et chez Ramirez, là, je me tourne et je retourne vers la rue Polignac. Là, je prends la rue Polignac. Je me retrouve ce qui était le bazar Porchman, ce qui était le bazar Porchman et ce qui était les maisons de Colette, de Madame Ramirez, qui partait de ce côté, qui était donc pile en face de chez moi, qui est devenu maintenant cet immeuble qui est en train de se construire. Voilà, et là on retombe, c'était les usines Borgeot qui étaient là, les usines de Liège. Qui était d'ici, là. Je montre maintenant le magasin de chez Ribot, l'ancien magasin de vêtements Ribot. Le mur de l'école Mirabeau. Le mur de l'école Mirabeau. J'ai refait mon chemin quand j'allais à l'école. Voilà. Non, non, c'est bon, je prends le petit. Là, je suis en train de retracer le chemin que je faisais en allant à l'école. Ne comprends pas où j'ai laissé mon enfant. Là, je tournais mon enfance. Là, ici, on va aller voir chez la sœur à côté. La sœur à Einstein. Là, voilà l'école. Quand j'ai passé mon enfance. Et j'ai tellement le mal de toi. Je vais essayer. Le mal de toi. Quand j'ai passé mon enfance. École Mirabeau. Le mal de toi. Il y avait un matelassier là. C'est ici. Ah. Bonjour. Je continue. Là. Donc ça c'était l'école des filles. Des filles, oui. Ouais. Non, je suis pas allé. Ouais, non, c'est pas grave. Je veux pas en mettre. Ouais, le marchand de descend dans la rue Polignac, trottoir d'en face de chez Colette. Trottoir d'en face de chez Colette. Nous voyons le dépôt. Alors ce dépôt là, tu vois le grand mur blanc là, avec la grande porte là, la grande porte grise. Et bien ça, c'était, ça s'appelait Somme Échange. C'était un grand dépôt et j'ai travaillé aussi là-dedans l'été aussi. Juste en face de chez moi, c'était juste en face de chez moi. Là, je parle en même temps que je fais le commentaire. Là, quand je te disais qu'il y avait des... Tu te rappelles quand je te racontais qu'il y avait des volubilistes, des machins bleus là. C'était ici. Mais ça a tout disparu. Il y avait un grillage ici, tout était bleu. Voilà, donc là on arrive chemin Vauban. Donc je suis à l'église Don Bosco. L'ancien chemin Vauban, ce qui était le chemin Vauban, voilà ce qu'il est devenu. Un chantier énorme. Voilà dans le cimetière de Couba. Je vais essayer d'aller retrouver la tombe où repose mon père, mes grands-parents et une de mes cousines. Je crois
pense qu'il est sur la droite, donc on va y aller. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, c'est, puis c'est idiot en plus. C'est idiot. Ah oui. Je me rappelle plus bien. Ouais, ça, c'est comment ton nom? C'est ce que je fais. Alors, camaradement, pour la France. C'est bon, ouais. C'est très bon. Oui. Comme en France et tout cimetière de Villa. Ah, et ma cousine, hein? C'est pas votre cousine, là? Non, allez au mal. Regarde-toi, tu vois. Je suis devant la tombe de mon père, de mes grands-parents et de mon oncle Baptiste. Non, comptez, comptez-moi. Ah, c'est moi, ouais, bien sûr. Nous sommes à Kouba, dans l'ancienne église, dans les rues mosquées. De mon quartier, grappes odorantes, tapissant les clôtures et rampant à poison sur les murs. Si tu n'as jamais vu les oranges, je pense ça parce que je connaissais moi avec l'ancienne route. Voilà, ouais. Écoute, je vais te déposer ici. Tu vas filmer. Allez, on prend tout. Alors tu n'as pas connu le paradis. Voilà. Et maintenant je peux te voir par ce moment si je veux venir. Que tant d'années n'arrivent pas à effacer. Dans un sens. Que tant de gens n'arrivent pas à oublier. Hein? Regarde ton chemin au bras. C'était pas un joueur de football, Val. Non, basket, il joue au basket avec moi. Tu joues au basket, toi? Un petit peu, mais pas bon. Au CGM. Et voilà ton chemin au bras de l'autre côté. Et ça, c'est l'ancien veuve Scott. Tu n'as jamais vu la dure du ciel un jour. Tu ne. Que mon Algérie, c'est bien loin aujourd'hui. Que là-bas, hélas, vois-tu, ce n'est pas ici. Alors tu n'as pas connu le paradis. Là, on est à l'usine à gaz, l'ancienne usine à gaz. Tu ne peux pas comprendre la nostalgie. Que tant d'années n'arrivent pas à effacer. Que tant de gens n'arrivent pas à oublier.
comme tes cousins qui veulent plus manger. Fume encore un verre. C'est pas notre maison. La soeur mon gars, la compagnie Le Bon. Termine de filmer, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas quand on va, tu vas encore filmer, comme ça revoir. Voilà, ouais, d'accord. Donc là, filme là, ce côté. Ça aussi c'est... Donc là on est sur le chemin à Vauban, l'ancien chemin à Vauban. C'est le chemin Vauban. On est en train de retourner sur le ruisseau. On va tourner à droite, direction du marché Revoil. Et il y avait le stade de basket. Il existe toujours ? Non, le stade de basket n'existe pas. Il existe. C'est là où on joue contre la JUDP. Bah, c'est ça la rue Revoil. C'est ça. D'accord. Ok, voilà, donc on est là, on passe devant l'ancien stade du CGM qui est devenu l'entraînement de l'OMR. Ici c'est le marché Revoil. Le marché Revoil. Ma mère faisait ses commissions. C'est rentré, une entrée. Ça ressemble à nos gens. Oui, voilà. Là, on voit on a la rue, je crois que c'est la rue Montfleury qui est en face. Oui, c'est Montfleury, et à gauche, c'est le commissariat. Là, le commissariat, là, on arrive dans les HBM. On arrive dans les HBM du ruisseau. Tu fais un tour à gauche. Comment ça ? Ah oui, c'est réel. Là. Là, on est à l'ancien commissariat du ruisseau. 12e arrondissement. Et là, on est dans le lumière brésilien et on arrive sur le ruisseau. Le ruisseau. Le nouveau voilà. Cercle. Hein, le nouveau cercle. C'est le nouveau cercle pour nous. C'est l'ancien café Chijuan. Voilà. C'est bon, c'est bon, voilà. Alors, là, tu prends nos habitations. Là. Là où habitait mes tantes, ici. Ma tante Madeleine, elle habitait là. C'est le siège de l'OMR, ancien café chez Juan. Le siège de l'OMR. Ah mais je joue les couleurs, ça va. Ils sont noirs et blancs. L'ancien immeuble PP où habitait Huguette. Et la pompe à essence n'existe plus. La pompe à essence n'existe plus. Là, on est dans les arcades. La mosquée du ruisseau, là, à Bois-Enfant. Ouais, c'est la mosquée. Elle y était déjà. Ouais, elle y était. Voilà. La rue Mazella. Et ça, c'est la rue Polignac. Polignac. La rue des fusillés, je sais plus quand, du mois de juillet 57. C'est ça. Et que, grâce à mon père et l'arabe qui habitait dans le immeuble, ça n'a pas été. Je devais partir aussi, mais ils ont fait cette rafle, je me rappelle. Et j'étais petit, moi j'avais 13 ans. Ouais. Et il y en a un qui il s'appelait Saïd. Ouais. Il jouait, un ancien joueur de ma mère aussi, qui était un programme à mon père. Il n'est pas mort, grâce à lui, parce que je voulais l'embarquer. Il m'a laissé avec des arbres. Des arbres cuisinés ici. Oui, ici. Non, non, je me rappelle. Et je me rappelle, les militaires avaient donné des arbres, parce que c'était là, ils avaient dit non, il n'y a pas les arbres. Ouais. Et les pauvres, ils étaient cachés là. On avait caché. Et cette histoire, c'est à cause de l'assassinat du lieutenant Barbon. Oui, peut-être. Le lieutenant Barbon. C'était un officier français. Oui. Il avait été torturé. Il a été assassiné. Et c'est de cela qu'il y a eu la légende. Qu'est-ce que tu te prends pour Barbon? Il y a eu des représailles. Et ça, c'est en 57 alors. C'est en 57. Mon père était quand même mort en 58. Une blanche. Ouais. La maison, c'est Dar, en arabe. Ouais. Béda blanche. Ouais. Blanche, Béda, en arabe, Béda. Ouais. Mais maintenant, ça s'appelle. L'aéroport s'appelle Houmani Boumedine. Oui, c'est juste ça, monsieur. Donc là, on est sur l'ancienne route moutonnière. Voilà. Direction. Nouvelle autoroute, en direction de Maison Carrée. Vim aéroport. Aéroport, voilà. Ouais. En direction de.
de mes embauches, de mes enterrés. Alors, je vais te raconter une histoire. Quand les derniers temps que j'ai vécu ici, j'ai travaillé moi en Algérie à l'aéroport. Enfin là, celui qui est venu national, pareil. Le petit. Venez, venez, venez par ici là pour vous donner un peu une idée là. Ceux qui étaient, vous étiez dans mon bus. Oui, oui. Ouais. Désolé, 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 là. Désolé. Désolé, désolé. Désolé pour le. Je vais appuyer les deux. Voilà, ce soir, je vais m'acheter un kilo de miel, moi. Tombeau berbère. Un tombeau berbère, ça veut dire que c'est un tombeau de la population locale. Et tout ça, c'est avant l'arrivée des Romains, avant l'arrivée des Byzantins, Vandales. Tout ça va se dérouler à peu près entre le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes donc au pied du tombeau de la chrétienne. Nous voyons la mer au contrebas. C'est pas du chic, hein. Non, je ne sais pas.
Flora Tipaza. Ça fait moins bordel. Hein? Déjà goûté dans les dernières villes.
qui était aussi une très très bonne équipe. Le GSO. La rivalité entre Marie-Gouin et la ville de Blida, juste après moi. Jusqu'à présent, il y a cette fraternité, mais depuis que Blida est devenu un chef de la département, et Marie-Gouin va préparer. Il y a longtemps que je voulais écrire quelque chose de plus gai. On est à Air France. On peut comprendre, d'accord, Alors ça a été diminué. Écoute un peu cette chanson, je l'ai fait avec l'horizon. Un peu de toi, un peu de moi, et beaucoup d'amour dans tout ça. Écoute un peu cette chanson, un peu de rêve et d'évasion. Quelques mots écrits sans façon, sans message et sans prétention. Écoute un peu cette chanson, je l'ai faite avec l'horizon. Un peu de toi, un peu de moi, et beaucoup d'amour dans tout ça. Écoute un peu cette chanson, un peu de rêve et d'évasion. Quelques mots écrits sans façon, sans message et sans prétention. J'aurais pu t'offrir en secret un jardin de mille bouquets. Te dira je t'aime anonyme par annonce dans les magazines. Mais j'ai préféré l'harmonie pour te faire part de ma folie. Quelques notes, quelques mots, do ré mi fa sol la si do. Écoute un peu cette chanson, je l'ai faite avec l'horizon. Un peu de toi, un peu de moi, et beaucoup d'amour dans tout ça. Écoute un peu cette chanson, un peu de rêve et d'évasion. Quelques mots écrits sans façon, sans message et sans prétention. Écoute un peu cette chanson, je l'ai faite avec l'horizon. Un peu de toi, un peu de moi, et beaucoup d'amour dans tout ça. Écoute un peu cette chanson, un peu de rêve et d'évasion. Quelques mots écrits sans façon, sans message et sans prétention. Entre le fleuve et la montagne, une clairière. Il n'y a pas des feux là. Ma chambre de maison. Elle m'avait dit viens me chercher quand le soleil sera couché. Et j'étais là seul sur le chemin de pierre. On s'était vu dans un des cafés de la ville. Comme moi, elle avait le cœur déchiré. Quand elle m'a parlé de sa vie, j'ai voulu connaître moi aussi ce monde qui alors n'existait qu'en rêve. Elle m'a emmené là où elle garde caché ses amours morts, ses rêves et son jardin secret. Je n'ai rien gardé, même si avant moi personne n'avait jamais marché sur les allées de son jardin secret. Moi je n'ai rien gardé. Ce n'était pas du pays la fille la plus belle. Mais elle avait au fond des yeux comme un petit coin de ciel bleu, un rayon de soleil sur une aquarelle. Mais après tout, ce n'était peut-être qu'un rêve. Je ne sais plus si elle a vraiment existé. Mais il m'arrive d'y penser. Et depuis que tu m'as laissé, je sais que ce n'est plus la peine que j'attende. Elle m'a emmené là où elle changeait le monde. Il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres. Ça va rien. Yeah.
ça, c'est magnifique. Bravo. Les fois, c'est toujours comme ça, la première fois. D'abord, on dit rien, et on se dit tout. On a peur des chiens, et on a peur du loup. Et tout là-haut, tout comme un drapeau, flotter sa chemise, se cache et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Comme on était fatigué, tu jetais allongé. Et comme on était allongé, ben je t'ai embrassé. Et comme je t'embrassais, tu t'es incliné. Et comme tu t'alignais, ben je t'ai expliqué. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça, la première fois. D'abord, on ne dit rien, puis on se dit tout. On a peur des chiens et on a peur du loup. Et tout là-haut, tout comme un drapeau, flotter sa chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Pendant toute la journée, je t'ai expliqué. Je t'ai appris à compter 5 à 6 péchés. Tu avais si bien compris que quand vint la nuit, comme je tombais, épuisé, bah, tu m'as expliqué. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça, la première fois. D'abord, on dit rien, puis on se dit tout. On a peur des chiens et on a peur du loup. Et tout là-haut, tout comme un drapeau flotté, flotter ta chemise, ton chine et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Alors non, ne t'en fais pas, parce que messieurs, il faut bien l'avouer, la première fois c'est toujours un peu... Hein? Mais maintenant, on a de la chance, on a les petites pilules bleues. Hein? C'est ça, il faut pas le nier, on aura peut-être un besoin un jour, mais tout là-haut, tout comme un drapeau, flotter ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. En attendant la polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu. Sous la forme de ton assaise inaccessible, moi je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang. Marie, douloureuse, Marie, mais pas Marie, je pars, Marie, j'ai peur. Je veux graver mes lèvres en rouge sur ton cœur. Mon ardente, ma polonaise, j'ai dissipé tes bijoux. J'ai brisé la montre et la chaise et je suis tombé à genoux. Enfin tes lèvres que je baise, enfin, enfin ton ventre que je cloue. Pardonne-moi, la polonaise, je suis affamé comme un loup. Marie, solitaire, Marie la terre, Marie la mer, Marie le feu. Je viens me soumettre, mon rêve, et que tu règnes en maître sur mon cœur. Solitaire, Marie la mer,
Marie, la terre, Marie, le feu. Du fond du ciel, Marie, Marie, Marie. Comme je dis, j'ai l'habitude de dire que ces chansons-là, elles ont été écrites et il faut qu'on les rechante. Donc, ça fait unis dans le ciel et l'eau, unis le sens béni bateau, un culte un peu comme une insulte sauvage. Sans espoir de voyage, une île entre le ciel et l'eau. Ce serait là pour venger mes vengeances, là, sans espoir et espérance, tout seul, avec ma destinée, plus seul qu'au cœur d'une forêt. Ce serait là. Dans ma propre défaite, tout seul, sans espoir de conquête, que je saurai enfin pourquoi je t'ai quitté, moi, qui n'aime que toi. Une île, comme une cible d'or, tranquille comme un enfant qui dort. Fidèle, en mourir pour elle, que elle, à force d'être belle, une île entre le ciel et l'eau, ce serait là pour venger mes vengeances, là, sans espoir et espérance, tout seul, avec mes souvenirs. Plus seul qu'au moment de mourir, ce serait là, au cœur de Sainte-Hélène, sans joie, sans amour, mais sans haine, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi, qui n'aime que toi. Le ciel et l'eau, une île sans homme ni bateau, un culte un peu comme une insulte sauvage, sans espoir de voyage, une île, cette île, mon Il y a des gens qui m'ont demandé la chanson, et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, puisque, eh bien, ma foi, on y est, et eh bien, elle est pour nous tous, cette chanson. Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère. Il faisait presque beau. C'était la première fois où je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure que l'on ne voulait pas. L'Algérie, Tunisie.
était à Pélina. C'est là qu'on est parti jouer. 10 soldats au balcon, séchés et serviettes comme en Italie. On prenait le vieux train à banquette, on était massif en Algérie. Même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Ce n'était pas encore faire du mélo. Et pourtant, je vous jure qu'ils avaient le cœur gros quand ils ont vu le quai s'éloigner, s'éloigner. Il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie, écrasée par la dure, c'était une aventure que l'on ne voulait pas. L'Algérie, tu les terminas, c'est là qu'on est parti jouer. Petits soldats, nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs. Le soir, on grillait des cigarettes afin d'avoir moins peur. De l'Algérie, on en avait un fusil. C'était un beau pays. L'Algérie, un port ce n'est qu'un port, mais dans vos souvenirs, certains sont malgré toi, tu te vois revenir sur le pont délavé de ce bateau horizon. Quand Alger t'a souri au bout de l'horizon, il y avait l'Algérie écrasée par l'azur. C'était une aventure que tu ne voulais pas. L'Algérie, tu les arrivas. C'est là que t'étais parti jouer. Petit soldat, un beau jour, tu raconteras l'histoire à tes petits-enfants. Du voyage où ta seule gloire, c'était d'avoir 20 ans en Algérie. Même avec un fusil, ça reste un beau pays, l'Algérie. Bravo! J'ai passé le meilleur de ma vie en voyage. Algérie, Tunisie, Maroc et Sahara. Et lorsque j'arrivais, quelquefois sans bagage, partout les gens m'ouvraient et leur portaient leurs bras. Gambetta et Delmonte, Place d'Armes et Saint-Eugène. Donc ça c'est la vie que nous avons avant de partir. On s'est promené. Et le soir on allait danser la canastelle, que la vie était belle avec les oranelles. Je suis pied noir, tu es pied noir, et nous sommes tous des pieds noirs avec honneur et gloire. Même si le courant de l'histoire nous a fait changer de trottoir, nous sommes restés pieds noirs.